Alors voilà le tout dernier fleuron de la gamme de Samsung, c'est le Galaxy S6 Edge Plus. Pourquoi plus ? Parce qu'il est plus grand. Il a un écran de 5,7 pouces de diagonale, ce qui en fait une phablette. Alors la particularité du S6 Edge Plus, c'est son écran courbé sur les deux côtés qui lui donne un design unique en son genre sur le marché et surtout son excellence technique, que ce soit en termes d'affichage, de puissance et d'autonomie. On vous explique. Alors pourquoi parle-t-on du smartphone le plus avancé du moment ? D'abord par sa puissance, le processeur Exynos de Samsung est d'une puissance absolument phénoménale, il est extrêmement rapide, ce qui fait que le smartphone ne ralentit absolument jamais, et notamment dans les jeux vidéo. Alors l'écran a une très forte définition que le circuit graphique va avoir un peu de mal à gérer dans les jeux vidéo. Eh bien pas du tout pour ce modèle, tous les jeux vidéo tournent absolument comme un charme, donc ça va être le smartphone vraiment préféré des joueurs parce qu'on n'a pas réussi à le mettre à genoux pour aucun jeu vidéo, même dans les jeux les plus jolis, les plus perfectionnés. Une débauche de puissance, d'accord, mais le plus important, c'est que Samsung n'a pas sacrifié l'autonomie de ce smartphone. Il fait même mieux que le Galaxy S6 Edge grâce à une batterie légèrement plus grande. On obtient des scores d'autonomie excellents, vraiment au top de ce qu'on peut faire actuellement sur le marché. En pratique, ça va tenir largement plus d'une journée, même pour les utilisateurs très intensif. Parlons aussi de l'excellence de l'écran. C'est un écran AMOLED en définition Quad HD. C'est vraiment excellent. Les couleurs sont magnifiques, les angles de vision sont parfaits et surtout l'écran est extrêmement lumineux et permettra d'être bien visible en plein soleil. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Dernier détail au top de la technologie, c'est son capteur photo 16 mégapixels dont l'optique est stabilisée. La qualité des photos qu'on prend avec le S6 Edge Plus est quasiment parfaite, largement supérieure à celle de l'iPhone 6. Son seul concurrent dans le domaine, c'est le LG G4. Alors excellence technique, d'accord, mais Samsung a fait certains choix qu'il va falloir accepter, notamment la suppression du lecteur de carte mémoire, surtout que l'appareil est vendu qu'en version 32 Go en France, ce qui risque d'être assez frustrant pour les utilisateurs très intensifs qui sont susceptibles d'acheter ce smartphone. Le S6 Edge Plus coûte 800€ en version 32 Go, c'est une somme assez élevée. Alors si vous voulez bien faire votre choix, vous pouvez retrouver toutes les précisions et tous les derniers détails sur notre test sur le site 01net.com.